Bien heureux de vous rencontrer. Bienvenue chez vous. Bonjour. Oui, l'ancien locataire a laissé pas mal de choses. Il est parti un peu précipitamment. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez les jeter. Bon, eh ben, je vais vous laisser. J'imagine que vous aurez des choses à découvrir dans notre belle ville. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais vous laisser ma carte. Oh ! Ah ! Oui, je vous appellerai monsieur... Salon. C'est ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, je volerai. Vous avez un drôle de look. Ces gants, ces lunettes. Je suis allergique aux rayons solaires. Ah, au fait, les clés sont dans le tiroir. Ah, quelqu'un doit passer pour l'état des lieux. Je ne sais pas quand, mais je vous appellerai. Oui, je vous appellerai. Mardi 5 novembre, 5 rue des Abysses. Une belle journée, pas un nuage. Le soleil est au zénith. Quelle beauté. Ce doux parfum, la caresse de son corps. Ma main caresse son beau collier de saphir. Elle est mienne à présent. Son regard est plongé dans le mien. Temps pluvieux, temps parfait. Il habitait 6 chemins du cimetière. Il n'avait pas fermé la clé. Il se tenait juste devant le seuil. Il s'est retourné brusquement. Il était mort. La balle, la fauchonnette. Appartement 5. Immeuble C. Que des brumes. Je la suis de près. Elle écoute de la musique si fort que je l'entends. Elle ne remarque même pas ma présence. Pas un regard en arrière. Inconsciente. La lame brille, elle n'a pas le temps de dire un mot. Allô ? Madame Olivia Cazé ? Oui, qui est-ce ? L'assassin est toujours en liberté. Mais moi, je sais où il est. Vous voulez le savoir ? Qui êtes-vous ? Vous voulez le savoir, oui ou non ? Mais... Vous avez de quoi noter ? 7 rue Macrane, appartement 9, bâtiment D. À très vite.
Bien. Soyons précis. Dimanche 15 avril.